Parfait. Je vais déjà aller ici. Moi? Non, moi je viens d'arriver. Salle d'études de carrière. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout fait sauf l'académie. J'ai la clé pour l'académie, mais comme à mon habitude, je fais tout en fait. Il me reste tout ce que j'ai pas fait, c'est ce que je vais montrer maintenant. Donc à partir de l'arbre, je n'ai pas fait tout ce côté-là jusqu'au feu. Mais même le feu en fait, j'ai juste activé et je n'ai rien fait ici non plus. J'ai fait tout ce qu'il y avait ici, sur ce plateau. J'ai fait la montée ici, mais je me suis arrêté parce que je sentais que je sortais de la zone. J'ai pas fait ce plateau et j'ai pas fait ce coin-là. Donc je compte faire ce coin-là, le plateau du dessus, et puis faire la même chose sur le plateau de gauche, et puis la cathédrale. Dans le popcorn. C'est compliqué? Examinez le piédestal. Quelque chose doit être posé sur ce piédestal. De toute façon, vous savez comment ça va se passer, hein. Si c'est intestable, on ira autre part. Oh, la bibliothèque. Pam 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 pam. Je casse tout. Pour les purs mêlés, c'est compliqué. Ok. Je comprends, je comprends. Moi au début j'avais pas à faire la tour à la base parce que je pensais que c'était la même tour que ici. Donc en fait ça servait à rien tant que j'avais pas une rune. Mais quand j'ai dit ça, ils m'ont dit je sais plus qui a dit merde. Bon je réactiverai le truc après. Je sais plus qui a dit un truc et j'étais en mode bah si vous voulez pas que je la fasse, je vais la faire, qu'est-ce qu'il y a? Pour faire l'inverse du chat. Il y a de l'eau, ça mouille. J'ai dit run, ah bon? Non, je me rappelle que on m'avait dit un truc qui m'a énervé. Et que j'aime bien que c'est moi qui décide, alors j'ai fait l'inverse. C'est pas ça? Bon, peu importe, de toute façon maintenant on est là. Maintenant on est là, c'est ok. Par contre, j'ai pas pris un niveau parce que j'ai 16 000 âmes, peut-être aller prendre le niveau vite fait. Peut-être aller prendre un niveau vite fait. Histoire de pas mourir. Faut pas backseat. Bah ouais, c'est ça. C'est. Ouais, si on me dit run, justement, je vais faire l'inverse. Je vais y aller. J'ai trop kiffé l'autre jour. Il y avait un mec. Ah, il me faut 9 000 âmes pour 19 000 âmes. Bah, vous savez quoi, je prends un niveau. Comme ça, après, si c'est dur et que je perds des âmes, c'est pas grave. Vu que j'ai 1 million d'objets, autant les prendre. Par contre. Laquelle qu'il faut prendre, je sais pas, hein. Celle-ci. C'est honnête, c'est honnête. C'est honnête, c'est honnête. Du coup, peut-être peut-être une comme ça, c'est bon. Oh, c'est plus qu'honnête. Ah, quoique, je sais plus si c'est 19 000 combien. Oh, l'optimisation. Oh, c'est trop joli. Voilà pourquoi j'ai commencé. Pourquoi j'ai commencé mendiant. 10, 10, 10, 20, 10, 25, 40. Y'a que Dex qui me dégoûte. Faut que je mette 15 en Dex. Comme ça, c'est trop bien. Faut que je mette. Que 100%, je vais tomber dans l'ascenseur. J'ai failli. Je viens de me rappeler que. Oh non, je l'ai fait descendre. Trop lucide en fait. Attendez, attendez. Attendez, attendez, il y a une embrouille. What the fuck is this shit? You motherfucker hands! Huh? Je vous baisse. Du coup, c'est un trou là. Doesn't seem good. Doesn't seem good. Jusque-là, on s'en sort bien. Ok, et les deux fantômes là-bas.
Oh, j'aime pas ça. Oh, j'aime pas ça de ouf. Oh mais fuck it man, elle passe sous mes coups. Il est où l'autre? Ouais mais les gars, s'il y a des mains, c'est comme des araignées, moi j'aime pas, ça me... Ah. Ça me... Ah. J'ai ma lampe ou pas? Okay. Je spam clic droit moi maintenant que j'ai compris qu'elles sont au plafond. T'as une araignée au plafond, Yann, la base. Ok, maintenant c'est full panique. Hein? You motherfucker! Sur les escaliers, ok. Très bien. Très bien, très bien. Ça me paraît pas si dur que ça. Ouais, pas si dur que ça. Ah mais ça c'est un double, ok. Si c'est un double, c'est un autre problème. Si c'est un voleur, pas un voleur, c'est un humain quoi. Faut arnaquer. Oh le spammer. Oh le spammer. Oh bien vu. Il m'a baisé avec ma propre strat. Il m'a baisé avec ma propre strat de l'arnaque. Il m'a baisé avec ma propre strat. Oh le coup il était en buffer depuis longtemps là parce que... Ah ok il est là-haut. Ok, il est là-haut. Ok. Donc la rambarde me protège, c'est ok. Le problème c'est que je vais avancer, je vais faire spawn des mecs bleus. C'est ça le vrai problème. Les mecs bleus qui vont spawn. Et tant qu'il est tout seul, pour moi c'est pas trop un problème. Le problème c'est qu'à chaque fois qu'on est 1v2 et qu'il y a un mec énervé, c'est pas facile. Voilà, exactement, exactement. Toujours les mêmes embrouilles. Ouf, les poules à l'ancienne. MDR. Allez, tire-toi. Ouais, j'en ai poules 1, il va venir. Allez salut. Il va essayer de venir petit à petit, il va comprendre que j'en ai rien à foutre. Hein. Moi j'ai toute ma nuit, hein. C'est comme tu veux. Hein. J'ai déjà mis... Moi je suis full vie, toi je t'ai déjà mis un cinquième. Hein. Bon à un moment il va prendre une popo, c'est ça le problème. Aïe. Ouais, s'il veut jouer au lâche, moi je suis... tu peux pas me tester. Hein. Je suis le roi des lâches, c'est comme ils disent dans H. Tu veux jouer aux idiots, on va jouer aux idiots. Mais le roi des idiots, c'est moi ici. Tu veux jouer au con, on va jouer au con. Merde. Ah, c'est bon. Le petit dos. Ah merde. Essayer de roulade, c'est pas passé. Ok, ça se fait, ça se fait. Ça se fait, mais faudrait essayer de la tirer en bas. Essayer de la tirer en bas, ce serait pas mal. Voir peut-être là-haut. Maintenant, je vais faire une petite reconnaissance de type.
Est-ce que la salle du dessus est pas plus sympa pour le taper ce type? On dirait qu'il y a un ascenseur un peu comme ici, mais dans la salle suivante. Je me rappelle plus à quel moment il a pop par contre. Et si eux, est-ce que j'avais besoin de les tuer? Je crois pas que j'ai besoin de les embrouiller eux. Okay. Oh bien joué. Ok, il a des attaques de mêlée propres. Je crois que je vais essayer de run dans la salle là-haut. Faudrait qu'il y ait un bas plafond. Faudrait que j'ai un bas plafond, ce serait pas mal. Comme ça je peux embrouiller et des rebords et des coins. Il me faut des virages. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il me faut un angle de couloir, genre comme ici. Comme ça je pourrais l'embrouiller. Let's find the cheese strat. Hop. Salut Tazé. Alors à chaque fois que je vois ses mains, j'ai un frisson dans le dos. Let's see if I found the cheese. Parce que déjà, s'ils sont plusieurs et que j'en proc un deuxième, je vais vite comprendre que ça sert à rien ce que je fais. Bâton éclat de Claria. Ok. Bah merci la famille. Let's go, let's go. Il y a des rats là-dessus. Il lâche rien le mec en bas. Hein. Il faudrait de la défense magique. Je sais pas trop comment faire dans le jeu pour en avoir pas mal. Il y a quelque chose qui était très fort dans DS1, c'est que très tôt quand tu obtenais la clé de l'aile de droite ou je sais pas quoi, de comment ça s'appelle, de l'asile des morts vivants, tu tombais sur un shield 100% bloc magie, rune dorée, ça faisait le café de ouf hein, contre ces mecs là. Dans le 2 et le 3 il y a moyen de trouver pareil, dans ce jeu là je n'ai toujours pas trouvé un équivalent, en tout cas j'ai l'impression. Bloc magie. J'ai un bloc magie, c'est déjà pas mal. Hein. Non, le mieux, j'ai 66. Je suis en train de faire le tour pour rien là ou... D'ailleurs, une échelle quelque part. There should be. Venu d'ici? Ouais, je suis venu d'ici. Alors, par contre, là-bas, ok. Ok, je l'ai vu. Là-bas, et c'est tout. Alors, à partir du moment où je serai en haut, il va pouvoir me toucher facilement, je crois. Ou elle s'arrête, ses attaques. Ou elle s'arrête, ça va. Par contre, les rats sur... Oh, je vais tellement tomber, frère. Je sens venir les embrouilles. Les embrouilles des rats. Alors, où est l'objectif déjà? Déjà, il n'y a pas d'objet visible, mais où est l'échelle suivante? Non. Merde, j'ai perdu mon shield. Très très bonne utilisation du shield du coup. Hein.
Ça sert à quelque chose d'aller sur les lampadaires, mais dites pas qu'il y a des objets sur les lampadaires. 100% il y a des objets sur les lampadaires. Non, il y a rien. Bon. Bla bla bla. Ah ok, d'accord. Le mec est intestable en fait. Le mec est intestable. Gardez un œil sur lui et ses bêtises quand même. Hein. Ah, j'ai vu l'échelle, c'est bon. Pas dans le bon sens, au secours. More rats. More rats. Déjà l'objet, direct. Avant même que des embrouilles commencent. Talisman de la graine céruléenne. Et ensuite, où est la, l'embrouille suivante? Où est l'embrouille suivante? Je ne vois pas l'embrouille suivante. Allez, je suis mort. Merde. Si. J'ai pas vu d'échelle. Oh, le rail m'a suivi dans ma mort. Merci, frère. On va remonter vite fait, mais je crois qu'il y avait rien. Mais j'ai besoin d'être sûr. J'ai besoin d'être sûr. Pépé sad. Je pense pas que je vais combattre le mec magique. C'est long et chiant. J'ai essayé deux fois, c'est pas grave. J'ai eu un bon try la première fois. Je trouve pas ça super intéressant. C'est comme les trois mecs des pots. Tu vois quand j'ai fait le grand pot par exemple, Dave, moi je les ai poussés dans le vide. Hein. Je suis arrivé, je leur mettais 0 de dégâts. Ça va. C'était long et chiant. C'était pas super fun. Mais moi ça me dérange pas. Hein. Oh god. Oh, il me one shot pas, ça c'est cool. Je vais me prendre une petite boule dans le cul, c'est ça? Ah, ça va. Ah putain, à chaque fois j'oublie mes âmes, elles sont là-haut en fait. La base. Par contre, j'imagine qu'il loot un objet un peu comme. Un peu comme tous les fantômes. Donc on faudra pas l'oublier quand même. Parce que. Ah! Parce qu'il a. Il a un objet. Après il loot. Ouais voilà c'est ça, c'est comme tous les fantômes. Il loot des petits trucs sympas. Oh la frayeur hein, avec l'ascenseur. Oh, je suis fatigué de ouf aujourd'hui. Mais j'ai tellement envie de jouer. L'échelle était là-bas. Par contre la vraie question, est-ce que je dois te retuer ou c'est random? Parce que s'il y a un random magique et qu'il me tire dessus pendant que je suis en haut, c'est un peu chiant. Oh par contre je sais comment je pourrais le tchader. Tu sais j'ai une arbalète portative. Mais je crois pas à cette carreau. Une arbalète frère. Et ça tire des bras de bébé. Hein. Mais il va roulade parce que c'est un humain. Ça sert à rien. Ouais, il y a 100% moyen de monter. Mais le truc, c'est que comment? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu actives qui fait que et que j'ai pas vu? Qu'est-ce que tu actives qui fait que et que j'ai pas vu? Les dégâts des rats, je viens de remarquer. Des dégâts de ouf. Après les rats dans ces jeux, ils sont cheatés de ouf. Les rats, les chiens, tous ces trucs là, c'est cheaté juste pour rendre fou.
Ça a des dégâts et des PV, genre je one shot même pas les rats et les chiens. Ça, à chaque fois j'en reviens pas. Le truc c'est un rat et un chien, je one shot pas. C'est marrant ça. Je pense que je rate le principal qui est ce truc là et j'aurais aucune idée de comment... On dirait qu'il y a un bouton à l'envers en dessous. Est-ce que... Attendez, j'ai peut-être une idée. On va d'abord faire... Attendez, c'est moi ou... Il y a un truc à gripper. Il y a un mec dos au sol sur ce... Là, près de ma cam, sur la droite de mon bouclier, il y a un mec dos au plafond de la poutre. Qui tend le bras vers le bas. Après, il y a aussi d'autres embrouilles. Qui sont les embrouilles de... Tant que t'as pas tué tout le monde, ça s'active pas. Et ça, ce serait chiant. Donc attendez, équipement. J'ai pas une arbalète pour arnaquer un truc. Merde. Merde. Comment tu fais pour viser Je connais pas. Alors ça fait aucun sens ce que je fais. C'est quoi la touche? Je connais pas la touche. Ah c'est L1. Ouais c'est L1. Rien à voir. What can I do? What can I do? What can I do? What can I do? Mon frère. Oh. Un truc je comprends pas. Un truc je comprends pas. Je sais pas s'il faut activer quelque chose ou quoi, je trouve pas. J'ai aucune idée. Adam il se fait aider par Elnote. Sérieux? MDR. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je reviendrai plus tard. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je trouve pas. Je sais pas si j'ai raté un truc ou un levier. Got no ID. Il y a 3000 âmes, j'avais pas besoin d'aller chercher, c'est que 3000 âmes. Mais Adem, en plus, ce qui est marrant, c'est que il y a même pas 10 minutes, il était en mode non, mais je vais le tuer, t'inquiète. Et maintenant, il se fait aider. Le mec change vite de fusil d'épaule. Hein. Alors. Les souls à tous les deux. Ils ont galéré pour. Hein? Je crois que c'est leur premier souls à tous les deux, ils ont galéré pour s'invoquer. Ah ouais! Mais je crois qu'Adem il en a fait plein. Il m'a dit qu'il en a fait. Alors attends, la carte elle me ment là. Il est censé avoir une route. Oh d'accord. Il n'y a pas de route. Mais du coup le bâtiment... Mais attendez, what the fuck is going on man? Comment est-ce que je vais là-bas moi? Je suis fatigué hein. Je suis fatigué de ouf. Allez en face. Ils sont partout Ah non, il y avait... Ah non, c'est lui. Il y avait un truc de magie, je crois que j'ai raté. Trop marrant comment il gigote.
Je suis en train de gigoter ma jambe et ça faisait bouger ma main. Et regardez. Appuyons flamboyant. D'ailleurs en PVP, magie c'est aussi cheaté qu'en PVE ou pas? Parce que c'est vrai que les PNJ magie c'est souvent les plus compliqués. Donc la question peut se poser. Mais bon, moi je fais pas de PVE ou de PVP ou quoi. Moi j'ai juste fini les jeux. C'est simple et efficace. Oh là là. Ah mais ça fait chier ce daron. C'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est une entrée vers la Sophia, ça. C'est une entrée vers la Sophia. C'est un nouveau géant, lui. J'ai pas encore combattu des géants à la hallebarde. Ça va être cool. Ah oui, il a déjà perdu plein de PV. Il doit par défaut être un peu... Ah mais si, j'en ai combattu un dans la grande capitale. J'ai rien dit, j'ai menti. En plus un qui avait beaucoup plus de dégâts du coup. Il one-shotait. J'ai dû le faire limite sans me faire toucher je crois. Ou très peu. À droite. La Sophia. Ok, ok, on va descendre, activer puits de l'Ensel. Ah ok, c'est une deuxième zone qui s'appelle l'Ensel du coup. On va descendre voir à quoi ça ressemble. J'espère que c'est tout aussi joli et que ça va être un bonheur de voir. Je vais sans doute l'activer et remonter parce que j'ai très très envie de clear l'extérieur d'abord. Ah, c'est toujours un plaisir à ce moment là. Ah, l'ombre un peu dégueulasse. Ah, c'est beaucoup moins beau, c'est des fourmis géantes. Oh mais god. Ils ont décidé de faire moins beau du coup. Lancel et Gretel. Mais bro, arrêtez avec les insectes, c'est dégueulasse. Ah, oh. C'est répugnant. En plus il y en a full. Ah, ça donne pas envie. Hein. Look at this shit, bruh. C'est profond. Oh. Oh. Oh, je l'ai vu. Oh, c'est poilu. Oh, mais Dave. Mais non! Vous savez qu'il y a eu ce jeu là où on joue 4 petits enfants miniaturisés qui sont dans un jardin. Moi j'ai pas kiffé ce jeu. Hein. J'ai vu des vidéos, des mecs qui combattaient des fourmis et tout. Oh non, mais non, mais non! Ah! Oh. Oh, moi les trucs avec les insectes, je peux pas. Hein. Non, mais non, mais non. La graisse est magique. Pas quoi contre les gens qui ont jamais joué à Souls. Hein? Ah, et visiblement, il a de l'urticaire, hein? Non, je rigole. C'est juste que ça se voit si j'ai galère à vous invoquer. Mais je crois que de base, ça a jamais été un système très... Oh, mais il bouge, ça bouge comme une vraie... Mais ils ont pris des spécialistes de fourmis, ils ont dit comment c'est une fourmi, faisant une plus dégueulasse que dans la réalité. Ils ont fait c'est bon, on va combiner ça avec une abeille. Non mais frère, mais bro. Ne dites pas qu'ils font des bruits. Oh non mais bro. Non mais bro, 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 bro. Non mais bro. Bro.
Oh, je m'écarte. Oh, je suis pas bien. Non, mais bro. Non, mais bro. Non, mais bro. Oh, les antennes bougent. Oh, fuck. Je voulais d'aime, mais mes stats sont nerf. Ah, donc du coup, tu fais le mec qui a une excuse maintenant, alors que t'as flex. Ah, elle a pas été one shot. Barrez-vous. Non, je suis pas bien. Ah, je marche dessus. Je m'écarte de mon écran. En plus, elles sont en HDR, elles ont des meilleures couleurs. Oh my god. Elle sautait. Pendant qu'elle vient pas. Là, je la one shot. Maman, j'allais être SIN. Oh, mais j'ai agrandi l'enfer surtout. Dis-moi qu'il n'y en a pas beaucoup. C'était genre juste un amuse-gueule. Voilà. Il y en a plus, c'est bon, il y en a plus. C'était pour rigoler. Pour rigoler. Là j'active le feu. Oh mon dieu, c'est leur tunnel. Non mais... J'aime pas ça. Elle a couru sur moi gros. Ah non bro, non bro, bro. Bro, I can, bro. Moi j'arrête ce jeu, hein, tant pis, on n'aura pas fini. On aura bien essayé, hein. On se quitte, bons amis. Vous savez, dans Satisfactory, il y a un mode pour changer les araignées parce qu'elles font peur de ouf. Et ben, je vous jure que même le mode qui les transforme en chat est effrayant. Hein. Parce qu'elles bougent comme des araignées, c'est encore pire. Non, mais les gars, après la suffrage, j'étais bien, moi. Vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas faire ça. Maintenant, en plus, j'ai le mind game qu'elles arrivent derrière moi. Nalchetan. Oh, Nalchetan. J'aime pas. Non, mais si elles sortent du sol, c'est terminé. C'est terminé, c'est terminé. J'ai eu peur de ouf, là. Quand je l'ai fait, j'étais pas serein. Non, mais là, oh, putain de merde. Non, mais moi, je le fais pas, je le fais pas. Je fais pas, ça c'est pas moi qui joue, j'ai passé la manette. D'où il vient? C'est encore long, c'est fini, dites-moi que c'est fini. Non, putain frère. Mais je l'ai pas fini en plus, non mais mens-moi au moment où je suis comme ça, tu mens, dis c'est fou. C'est par où, c'est fini vite. Oh non, c'est mort. C'est mort. C'est des fils de pute d'avoir fait ça, c'est des bâtards. En plus maintenant j'ai commencé, je suis obligé d'avancer parce que je veux pas me retaper les quelques fourmis que j'ai déjà fait, tu vois. Non mais là c'est pire qu'R2-R2, hein, que R2-2, là, Resident Evil, c'est pire. C'est pire que Resident Evil. C'est pire que Resident Evil, je me rappelle d'un film avec des fourmis rouges qui foutent la merde. Ah c'est pire que tout. Non. Elles vont sortir des tas de trucs quand je vais prendre des objets et tout, non. Non, c'est des bâtards, ils ont fait le jeu, c'est des fils de... Des fils d'up, là, c'est des fils d'up. Des connards, c'est des connards. Regardez, elle est là-bas, putain, elle est là-bas. En plus, je vais marcher. Je vais me coucher, mec, courage. Non, mais Dave, dis-moi que t'étais pas bien aussi, aide-moi. Tu vas faire le mec, non, moi, ça me fait rien, tu sais. Les jeux vidéo, ce ne sont que des pixels. Ouais, des pixels sur un écran de couleur. Je veux dire, j'ai grandi, je suis un maître des souls. Non, mon balai que les insectes, putain, frère. Oh, moi, je suis pas serein, j'aime pas ça. Je peux même pas me mentir, vous servez à rien. Je peux même pas me dire, ouais, putain, c'est vrai que c'était dur, courage, mon ami. Aucune race, hein. Juste, il rigole avec sa grosse voix de merde. ça y est, je tilt, hein, je m'énerve. Votre match, j'en avais rien à foutre, mais ça, par contre, c'est là, oui, vous allez voir, c'est dur. Match, c'est pas grave, au pire, on le skip. Après, elles sont partout. Je vais pas courir avec une armée de fourmis derrière moi. Hein.
Ça va d'être ici la suite. Faut que je fasse l'autre trou vite fait. Ah, dites-moi qu'il n'y en a pas beaucoup. Dites-moi qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, juré, merci. Bientôt fini, c'est bientôt fini. Bientôt fini, c'est bientôt fini. Oh god. Oh god. Dis-moi que c'est des faux œufs. Dis-moi que c'est des faux œufs. Dis-moi. Je sens mon casque. Je sens mon casque. Je sens mon casque. Je sens mon casque. Est-ce que vous m'entendez? Je sens mon casque. Sans mon casque, je me sentirais bien. Je vais mettre de la musique. Mettre de la musique. M'entendez ou pas? Difficilement? De toute façon, c'est pas grave. De sale pute. Ah, il m'a craché dessus, ça fait des dégâts, je savais pas. C'est bon, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. On va les baiser, on va les baiser.
Ah. Ouais, j'ai fourmi. Ah, si ça passe plus rapide par ici. Est-ce qu'on meurt là? C'est ça. Ok, ok, on va les défoncer. J'espère que les galeries sont pas très profondes. Je les one shot avec une attaque sautée. J'espère que ça va le faire. Je le ferai pas si j'ai one shoté pas. C'est fini. C'est fini. La récompense. Je pouvais pas le faire avec le casque. Dès que j'ai retiré le casque, ça allait mieux. Désolé. Ça va? Ça va l'autre? Dommage. Ouais, le premier try était dommage. Hein. Ouais. Je pouvais pas le faire avec le casque. Je pouvais pas le faire avec le casque. Les bruits des pas, tous ces trucs là, ça m'horripile. C'est un truc de ouf. J'avais des frissons, j'avais des petits points sur les bras et tout. Ça me débecte. En fait, quand j'étais petit, j'avais vu des films sur les insectes un peu starbés avec des fourmis qui défonçaient le monde et tout. C'était un truc, c'était dégueulasse, avec des bruits partout, c'était horrible. Mais qui se faisait bouffer par des fourmis. Ah, c'était... Et le bruit me répugne, c'est un truc de ouf. Là, c'est bon, tant qu'il n'y a pas d'autres fourmis, on peut ignorer un peu le GMU et revenir. Là, on est à l'ascenseur de tantôt. Et toi, que j'avance plus dans le jeu, j'attends que tu arrives ou que je peux profiter ensemble. Oh, c'est trop mignon. Trop mignon. Mais toutes ces zones que j'ai faites, tu les as fait ou pas? Parce qu'il y a plein de zones que j'ai fait, que je sais que tu m'avais dit que tu n'avais pas fait. Du coup, on peut les faire. Tu peux les faire pendant que moi je fais d'autres zones que tu as faites. Ah, par contre, ils sont tiers de eux. Je sais pas comment t'expliquer qu'ils sont tiers d'eux, mais ils sont tiers d'eux. Un peu plus fort que les précédents, quoi.
C'est pas normal qu'il soit pas fait one shot. Oh mais j'étais plus loin. Dans cet endroit? Ouais je comprends. Je comprends. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps de jeu vu que j'essaie de stream à chaque fois. Même quand j'ai un petit peu de temps de mon côté, je peux pas forcément jouer. Mais c'est cool. Très envie de faire le désert quand même. Hein. Enfin, le désert. Très envie d'aller ici moi. Très envie d'aller ici. Mais la cathédrale me semble être plus lucide avant, mais... Après c'est les envies qui comptent, donc je sais pas si une fois que j'aurai fini la cathédrale, enfin une fois que j'aurai tout fait et qu'il me manquera la cathédrale, si j'essaierai pas d'essayer de faire Kaylid. Parce que Kaylid je pense que j'ai le level maintenant. Je pense que depuis que je rox assez bien cette épée, rox MDR on est dans Dofus. Bon, après c'est pas que Dofus ce terme mais c'est très Dofus quoi. Je pense que depuis que je la rox assez bien, on pourrait me voir peut-être aller faire Kaylid tu vois. Si vous vous rappelez à quel point ces mecs là ils étaient intestables. Et que maintenant c'est moi qui les teste quoi. Alors une seule question parce que j'ai vraiment besoin de savoir. Honnêtement ça me tilte un peu. Il y a encore des fourmis ou pas? J'ai pas envie de tomber sur des fourmis par surprise et stressé. Il y a encore des fourmis ou pas? Si je vais dans ce trou il y a des fourmis. S'il te plaît dis-moi qu'il n'y a pas de fourmis. Je les entends, je crois. Dans le trou, je sais pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est bon, y'a pas de fourmis. En fait, fourmis, araignées. Tous ces trucs-là. Je vais mourir si je reste ici. Mec envoie des cailloux. Le mec ici. Il y a un boss. C'est à cause de lui que j'ai pas avancé. J'espère aujourd'hui pouvoir te montrer comment avancer face à lui. Oh mon dieu. J'ai très très mal timé ce que je voulais faire. Oh ils ont des bolas, trop marrant. Trop marrant, ils ont des bolas. C'est parfait s'il y a un coin comme ça. Ça me permet de les manipuler un peu comme j'aimerais qu'ils soient. Tu peux baisser les épaules Yen, tu peux baisser les épaules. Tu peux baisser les épaules, tu peux baisser les épaules. Et même les mains elles me stressent parce qu'elles ressemblent trop à des araignées. Puisqu'ils ont mis des mains quoi. Mais vous avez vu comment ça a lagué de ouf quand j'ai mis de la musique? Comme quoi rien qu'un output vidéo YouTube, ça a pris full ressources. T'as pris full ressources. Que là, demander stream, jeu, encoding, recording, c'est beaucoup. L'encodement. On va voir ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment. Avant de penser à aller voir peut-être le boss. Alors est-ce qu'il y a des pièges dans cette galerie au sol? On dirait pas. Ah il est là, ok. Ok.
Vous avez vu que j'ai pas avancé. Je comprends. Je comprends, mais je pense que il y a moyen de l'atteindre. Posteriori, par l'arrière en furtif, tu vois. Sans lumière, peut-être qu'il te remarque pas. Peut-être que le bruit va l'alerter. Il y a des roulades. Je peux sprinter accroupi aussi. Il m'a pas encore vu. Alors où est-ce que je peux aller s'il m'a pas encore vu? Ok. Y a pas de feu ou de suite du bâtiment. Ok. Faut que je réfléchisse parce que je suis pas. J'ai pas de quoi combattre ce genre de choses. Et c'est là où il manque mon canon, où il manque toutes ces petites choses, tu vois. C'est là où il manque. C'est là où il manque des trucs intéressants, tu vois. C'est là où il me manque quelques points d'ex et qu'il me manque des trucs pour faire jouer à arc. Là il me manque plein de bêtises en fait. Et là il me manque des trucs de distance ou quoi. Après je crois que j'ai quand même une bonne idée. C'est qu'on va quand même essayer de faire des choses. Déjà j'ai flèche de Trina. Et je vais voir si avec mon petit arc je peux pas l'endormir en fait. Alors est-ce que je suis en charge lourde? Oui. Charge moyenne c'est parfait. Donc première strat. Comment est-ce qu'on vise et tire? Est-ce que ça l'endort? Après ça lui fait des dégâts hein. J'ai pas utilisé flèche de Trina du coup. Flèche hantée. J'ai pas un vrai arc. 16 de dex, n'importe quoi. Il n'y a même pas d'arc de force, arc géant de golem, tu vois. Il faut 18 de dex, quoi. Faut pas que je gâche mes flèches, en fait. Faut trop pas que je gâche mes flèches. Il faut que je lui mette dans le dos, ça fait plus de dégâts. Il a l'air zéro. Ouais, il est zéro. Hein. En fait, j'ai même envie d'essayer de lui mettre un coup au mêlée une fois qu'il se retourne, en fait. Je pense que je vais essayer ça. Je pense que je vais essayer d'aller lui mettre une jump attaque dès qu'il se retourne et qu'il est full biaisé. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est au niveau du sol? Je ne sais pas. Oh là là. Faut que j'y aille silencieusement. Faut que j'y aille silencieusement en fait. C'est n'importe quoi. Hein. Tu es à l'arc hein. Plus nul.
vraiment lui tirer dans la tête pour faire des vrais dégâts. Mais c'est là où t'es, si t'es mage, ça se passe tranquille ici. Je suis là, je galère, frère. Sur un random. Oh, ça, oh, ça m'énerve tellement. Je dois avoir rien, quoi. Faut vraiment que je prépare un truc, hein. Je vais voir si je peux. Si je peux pas. Faire quand même des dégâts avec la grosse arbalète, même si j'ai pas les stats. Après je faisais le bâton et envoyer des petites... Ah mais j'ai pas... Ah je sais ce que je dois faire. J'ai une idée de fou. C'est ça que je vais utiliser, non? Pas comme si j'étais mage, tu vois. Puis je les stun, hein. Ah j'ai plus de mana. Ah mais en fait quand je les stun ça l'a déciblé. On va donner combien d'âmes? Peu importe, c'était de la merde hein, parce que bon, y a pas grand chose à faire. 4K. Seulement! Bon, c'est 10K quoi. Ah, mais j'aurais dû invoquer des frères. J'aurais dû invoquer des frères Ashtat là. J'aurais dû invoquer des frères. Il m'a même pas donné un objet stylé ou un truc important. Aussi, j'ai compris en regardant un stream ce que tu voulais pas me spoil sur les tableaux. Je me suis spoil tout seul comme un connard. Qu'en gros les tableaux, en fait faut les faire un par un et c'est une énigme. J'avais pas vu. Je crois que j'ai skip le tuto. Mais bien vu, au pire tu me l'aurais dit, j'aurais eu l'info. Par contre là si je tombe je meurs, c'est ça. Et du coup tout ça c'était pour des idioties. Donc ça, c'est donc ça notre vie d'artiste. C'est mourir là. Non c'est bon. Il y a une zone moins décès. Ah mais c'est par là la zone. La suite. Il y a un feu, je le prends d'abord hein, avant d'explorer le reste. Et là il y a son frère. Oh il y a un vendeur, du coup il y a un feu. Oh au pire si t'es dans la merde tu peux... Oh ils vendent les objets du... Ils vendent les objets du... En forme, renferme l'absolution de l'église des vœux. L'arme secrète trouvée dans la ville éternelle, également appelée l'âme nocturne, permet de recevoir l'absolution dans l'église des vœux, dissipant toutes les hostilités. Il fait un... Ah ok, ok. J'en ai déjà. Je vais reprendre une cendre de guerre. Je vais marquer ce marchand. Et dans l'open world, je vais marquer qu'il y a un marchand dans ce bled. Sinon je vais pas savoir. D'ailleurs, il y en a aussi un ici. Ah mais je l'ai marqué dans l'open world. Il faudrait que je le marque ici, que je vois qu'il y a un marchand dans la Sofria. Ici, j'ai plus besoin de mettre ce truc là, je l'ai tué. Ok, et il n'y a pas un feu? J'en ai déjà un dans... Carte de l'Ancel. Ah... Ah, du coup les suites c'est pas par là. J'ai bien fait de venir ici pour la carte. Là c'est le fond du puits. J'ai traversé le truc des insectes. Là j'arrive dans la cité. Il faut que je suive... non, là j'arrive dans la cité où je les ai tous tués. Il y avait le passage vers le mec qui me tirait dessus.
J'ai pris ce passage là, là je vais faire cette zone. Et là, ça a l'air d'être en contrebas ou en contre-haut, faudrait que je regarde. Sinon je dois aller vers la gauche. Et en fait au tout début, là c'est un cul-de-sac mais tu peux revenir. Là à droite c'est un cul-de-sac, donc j'ai l'impression que les fourmis c'était que là. Mais qu'il y aura peut-être des fourmis dans ces tunnels là de flotte. En tout cas ça a l'air moins fourmitière que nécessaire. Ça va, ça va. Ça va. Donc je te conseille de faire plus ou moins comme j'ai fait, hein. Ignore sa race hein, au pire. Est vraiment con. La vidéo fait une heure. Je vais continuer jusqu'à trouver un feu je pense. J'ai un peu... Ouais en ce moment je te... Enfin... Pour la session d'aujourd'hui je tarde un peu sur les vidéos. Hein. Pas le plus opti dans mon gameplay. En même temps je suis fatigué. J'ai dit c'est la chillance. Moi on voulait pas... Faut pas que je meure après ce que je viens de faire sur le gros mob. Hein. Alors une attaque sautée, les one shot très serait pas mal. Hein. Ah ils sont beaucoup. Peut-être les ignorer au bout d'un moment. Peut-être les ignorer au bout d'un moment. Le truc c'est qu'il y a pas mal d'objets. Pas mal d'objets. Je crois que ce mob faut même pas le combattre. Hein. Tu l'esquives juste, il y a plein de piliers pour que tu puisses esquiver. Le jeu est assez sympa à ce niveau là. On va pas se faire chier en vrai. Par contre faut que je loot des pierres formiques là, j'en ai pas eu beaucoup dans le jeu. Si j'en vois j'en prends. Je dirais qu'il te manque un truc dans une zone, tu le considères qu'un truc. Si j'ai raté dans un truc dans une zone où je vais pas y retourner tu peux me le dire. Genre, en tout cas, si c'est dans les deux premières zones, c'est-à-dire, pour être plus clair. Merci pour le follow, le petit chien. C'est mignon. Si c'est dans cette première zone, donc ce premier triangle, ou alors le triangle ici, genre l'Afrique là, ça me dérange pas. Oh, premier chien, en plus c'est des petits chiens, c'est trop mignon. Merci pour le follow, c'est super sympa. Si c'est dans une de ces zones, c'est ok si tu me dis, ça me dérange pas, t'inquiète pas. C'est le début, c'est des zones où je vais pas retourner. Et si j'ai raté des choses, autant qu'on me le dise. Par contre, il y a des zones où je sais que je vais retourner, comme le tout début. Là, ça sert à rien. Ah, c'est pas mal s'ils viennent petit à petit comme ça. Ça, j'aime bien. Sauter, sauter. Venez, venez. Ils sont pas très sauts. Hein. Ils sont pas très sauts. Ils sont pas très sauts, ils sont pas très sauts. Je préfère être intelligent, MDR. Ils font mal pour que je sois prudent. Je le sais et pourtant, il faut pas que je combatte en contrebas parce que sinon ils passent sous mon épée. Ouais, c'est la pire idée de les combattre et de les laisser venir vers l'ascenseur. Vers l'escalier. Pire idée, mais en même temps c'est le seul endroit que j'ai pour me replier parce que je sais pas ce qui m'attend là-bas. Attendre qu'il ramène sa lance, ce connard. Il va me toucher. Il va me... Oh. Que j'ai plus ma régène, ça m'énerve un peu. Hein. Ah mais c'est nouveau ce qu'ils font là. Ouh, that's some strike, man. Ouh, merci. J'ai rien alors vu qu'elle concerne la zone 2. Ok, ok. La zone 2, j'y suis toujours pas allé. Si tu fais allusion à la fille qui m'a dit de retrouver le mec qui lui a volé son talisman, j'ai pas oublié. Hein. Je sais que tu m'as fait la remarque plusieurs fois. C'est juste que j'attends de tomber dessus. Je suis toujours pas tombé dessus. C'est vrai que ça m'inquiète un peu parce que j'ai quand même pas le visité, mais... Mais je l'ai pas oublié. Et vu que je l'ai pas oublié, je sais que si je tombe pas dessus, je vais la chercher après. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas zone 1, zone... enfin la grosse zone 1, la zone 1 et la zone en dessous de la zone 1. Ah, sombrage là, je sais pas comment ça s'appelle ça. C'est Skyrim dans ma tête. Morte zone là, comment ça s'appelle encore ce bled? Lim quelque chose en anglais. Voltorage, ouais c'est ça. Ça c'est une zone où je sais que je vais pas retourner. Oh god, pourquoi je prends des coups bêtement?
merci pour les bits, c'est trop mignon. Trop gentil. Oh, le petit chien, il arrive, il régale direct. What a man. Avec un grand H, man. Comme ça, c'est jamais. C'est vrai que c'est la journée de la femme aujourd'hui. Il y a une punch que j'aime beaucoup de Medine. Hein. Pour respecter nos sœurs, on n'attendra pas le 8 mars. Tellement propre. Elle fait tout un couplet sur les inégalités hommes-femmes. Dans le son Don't Panic. Pas mal. Bon, c'est bon, c'est bon. Il y en a, ils sont combien quand même? Ils sont beaucoup ces mecs-là. Ils sont beaucoup. Hein. Ils sont beaucoup. Voilà l'orage, voilà l'orage. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ça, c'est Nécro... Non, c'est Nécrolimbe. Nécrolimbe, voilà, ce nom full edgy, hein. Nécrolimbe. Or qu'en vrai, croyez que je peux l'allumer? Oh, c'est trop demandé, c'est trop demandé, Yen, c'est trop demandé. Le jeu est déjà assez bien comme ça, faut pas trop en demander, faut pas trop en demander. Il va dire que tu cherches la petite bête. En bas, tu peux aller... ça commence à être assez complicado. Laissez-moi... Hein? Ah, il y a un mec qui m'a... Ok, qui m'a aggro. Enfin, un mec t'aggro, ça te coupe la carte, c'est un peu chiant. Je suis venu comment? Ah, mais je suis venu via le... Ok. Je suis venu via le pilier, du coup c'est pour ça que je galère à retourner là-bas, parce que je sais pas comment y retourner. En fait, il y a plein de mecs près de cette cascade. Ok, let's go. Mais d'abord, comment on remonte là-bas, quoi? Via le tunnel, il faut faire tout le tour, c'est ça? Oui, hein. Oui, 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 oui. Vas-y, on continue tranquille. Hop. Du coup, par là, ce serait techniquement... Mais il veut pas me laisser. Oh là là, il veut pas me lâcher. Il veut pas me lâcher, père ma guerre. J'espère qu'on va pas tomber sur les fourmis. Hein. Un feu. Un feu, c'est très très bien pour continuer. Bah, la vidéo, j'avais dit qu'on s'arrêterait dès qu'on trouve un feu. Moi, je vais continuer l'exploration, mais si à la vidéo.